Domaine d'exception et famille d'exception. Pour ce nouveau numéro de Châteaux et Passions, je vous emmène d'abord dans le Roussillon, à Valmy. Le château de Valmy, cette imposante demeure blanche au pied des Alberts qui domine la station balnéaire d'Argelès. Aujourd'hui, Valmy n'existerait plus sans la passion, sans l'énergie de ses propriétaires Martine et Bernard Carbonel. En 1997, ils ont redonné vie pour la troisième fois à ce château que le grand-père de Bernard avait un jour acheté sur un coup de cœur, c'était en 1930. À partir de 1980, ils ont tout repris de zéro, tout restauré, tout replanté, avec un seul objectif, atteindre l'excellence, et ils ont réussi. À leurs deux filles maintenant, Anaïs et Clara, d'assurer la relève. Alors l'histoire commence en fait, du moins pour le château, vers les années 1900, où vous aviez Jules Pams qui était propriétaire du terrain, et donc avec beaucoup d'argent qu'avait sa femme, il a pu construire Valmy sur le site qui était très très bien placé, de façon un peu extraordinaire, sur la mer et sur les Alberts. Là-dessus, à son décès, passons les détails, en 1930, mon grand-père a l'opportunité de l'acheter, sans visiter l'intérieur, dit « j'achète », parce qu'il a déjà une vision pour promouvoir et créer les vins d'eau naturels, qui étaient le vin de l'époque. Mon grand-père étant décédé en 1952 ou 54, évidemment, l'affaire commence à péricliter. Et des problèmes de famille se posent, des problèmes d'argent et des problèmes de succession. Et partant de là, l'opération Valmy s'arrête pendant 10-12 ans. On arrache les vignes, on arrête la cave. Le château n'était pas du tout habité, du moins avec un gardien. Et nous décidons, ma famille et moi, de reprendre le flambeau en 98 pour refaire finalement ce qu'avait fait mon grand-père en 1930, à savoir une marque de vin nouvelle, qui s'appelle aujourd'hui Château Valmy, et un vignoble créé de toutes pièces, une cave créée de toutes pièces, et redonner vie à ce château en y incluant des chambres d'hôtes qui nous permettent plus facilement d'avoir un système commercial pour rentabiliser et justifier cet investissement. C'est un pari qui est un peu irrationnel parce qu'on sait que c'est beaucoup d'argent à mettre à notre niveau, c'est beaucoup de risques pour à la sortie souvent ne pas gagner ou du moins à la hauteur du travail intellectuel et de l'investissement. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'une raison à ça, c'est que j'y suis né, c'est que j'ai mes racines et automatiquement ça vous marque tellement que même d'une façon un peu folle, vous décidez de faire un projet pour garder ou améliorer le site, parce que ce qui m'importe avant tout, c'est la valorisation du site de Valmy, en même temps que de faire du vin, ou le meilleur possible, en même temps que de faire des chambres qui sont très bien. Quand mon mari a eu cette idée merveilleuse de faire renaître Valmy, c'était au niveau du château, mais ça a été d'abord reconstruire le domaine viticole puisque les vignes avaient été arrachées. Donc il a fallu reconstruire tout un vignoble de 25 hectares en 97. Il a fallu attendre que les vignes poussent. Nous avons restauré complètement la cave. Et en 2002, nous avons ouvert la cave. Évidemment, le château était en cours de restauration, n'était pas encore habité. Moi, je n'étais pas de la profession. J'ai été pharmacien durant 23 ans. Et donc, il a fallu prendre une décision. Mon mari avait besoin de l'immobilier pour financer Valmy. Mes filles travaillaient avec lui.
Et donc, il y avait une seule personne qui pouvait commencer à faire naître Valmy, ben, c'était moi. Donc, j'ai abandonné ma profession de pharmacien et j'ai quitté mes remplacements en avril 2002 et j'ai ouvert la cave en mai 2002. Alors, évidemment, ce n'est pas le même comptoir, hein, mais c'est un comptoir aussi magique. Ce n'est pas la même médication, mais c'est tellement merveilleux de faire déguster ces nectars qui sont bons au palais, pour la santé aussi. À bon escient, évidemment. Et j'ai découvert cette profession, évidemment, avec des professionnels du vin, puisque je ne l'étais pas. Donc j'ai pris des cours de dégustation, j'ai assisté aux vendanges, aux premières vendanges, à la première vinification. Et je crois qu'ici, nous sommes dans un endroit où on peut parler de passion. La passion des hommes, la passion des femmes et la passion des enfants à venir. Mais je pense que... Si ça n'avait pas été Valmy, je ne l'aurais jamais fait. J'aurais continué la pharmacie parce que c'est une profession que j'adorais. Je suis très scientifique. Je ne l'ai fait uniquement pour mon mari, mes enfants et Valmy. Alors, pour l'instant, c'est facile. Avec mon père et ma sœur, donc on travaille dans l'immobilier, donc pas du tout dans le vin. À terme, on s'y intéressera beaucoup plus. C'est vrai que pour l'instant, ma mère s'occupe très très bien du domaine et on se repose un peu là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on regarde un peu de loin. On s'occupe un peu du projet, du futur projet que nous avons dans la cave et la restauration. Mais au niveau commercialisation et gestion du domaine, c'est vrai que pour l'instant, on est un peu en retrait, un petit peu en retrait. Maintenant, avec le nouveau projet, Valmy va prendre un peu plus d'ampleur. Donc, on va être là pour faire, et puis c'est le but, puisque papa fait tout ça aussi pour nous transmettre Valmy et puis pour le faire vivre et renaître. Donc, je pense que oui, on sera là pour prendre le relais par la suite et s'occuper évidemment de toute la gestion, puisqu'il y a du boulot entre les chambres, le vin et maintenant la restauration. Pour moi, si jamais j'ai fait ça, c'est que mon grand-père a fait ça, c'est qu'il y a une suite et que j'ai tout autant envie que mes filles reprennent. Et aujourd'hui, je sais qu'elles reprennent et qu'elles ont très, très envie de reprendre tout ça. Donc, c'est un plaisir immense. Et disons, on ne peut imaginer qu'une opération de cette, pas de cette envergure, mais disons de cette valeur, elle ne passe que par le fait de le transmettre. Je n'aurais imaginé ou jamais imaginé, quand j'étais petit ou disons à l'adolescence, je n'aurais jamais imaginé en fait que j'en sois aujourd'hui, que j'habiterai Valmy, que je ferai ça. Jamais je pourrais imaginer. Ni ma mère ne l'aurait imaginé, ma mère vit toujours. Je dirais, c'est un rêve, c'était pas un rêve puisque je ne l'avais pas imaginé comme ça. Mais j'avoue que, un peu en y pensant, je me dis quand même que j'ai bien fait.